Aujourd'hui, on voit comment se faire le plus rapide dodge and burn dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Ries. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit comment se faire le plus rapide dodge and burn dans Photoshop. Le dodge and burn est une technique en retouche photo pour justement sublimer nos contrastes et nos lumières, histoire d'avoir une meilleure lecture avec plus de volume. Et le dodge and burn que je vous propose se fait seulement avec 2 ou 3 clics. On va utiliser pour ça la passe haut et les modes de fusion avec un masque pour justement avoir un bel effet rapide et efficace. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc on commence par ouvrir Photoshop et on glisse tout de suite une photo avec, si possible, de beaux volumes pour justement avoir un bel impact. Faites les meilleurs. On va pouvoir tout de suite commencer donc par dupliquer notre arrière-plan pour justement venir travailler notre netteté avec une passe haut. Donc je me mets sur l'arrière-plan et je fais un clic droit dessus et je fais dupliquer le calque, ou alors CTRL-J pour ceux qui savent, que je vais tout de suite renommer Dodge and Burn, ou DB c'est plus rapide. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc ça y est, j'ai ma copie qui vient de se créer dans ma fenêtre de calque. Pour créer notre Dodge and Burn, on a besoin d'avoir des contrastes plus importants et des lumières plus importantes. Donc pour ça, on va commencer par basculer notre image en nuance de gris. Pour désaturer rapidement mon image, je fais un CTRL-U et je la bascule comme ceci à moins 100 sur la saturation. Ou alors, petite technique, petit raccourci, petit rapide, vous faites CTRL-SHIFT-U et là, ça bascule directement en niveau de gris. Et maintenant, je vais donc pouvoir créer ma passe haut qui va venir donc réveiller ma photo avec plus de netteté. Donc je me rends dans Filtre, Divers et je sélectionne passe haut. Donc là, j'ai ma petite boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir où je vais pouvoir justement revoir le rayon, c'est-à-dire l'impact de ma passe haut sur ma photo. Donc la passe haut marche un peu comme l'effet clarté, c'est-à-dire en fait que le logiciel va accentuer sur les pixels noirs et les pixels blancs pour justement avoir plus de netteté, plus de définition, voire un petit peu plus de volume. Donc le rayon, je vais pouvoir tout simplement le réduire comme ceci pour avoir des zones plus fines, ou alors justement l'agrandir et avoir des zones plus importantes. Donc moi, sur ma photo, je pense que je vais essayer comme ceci sur une valeur à 35. Allez, 30 pixels, on est plutôt pas mal. Et je fais OK. Donc là, si vous voulez revenir sur votre passe haut, c'est pas possible. Il faut justement recommencer. Donc là, je vais vous donner une petite astuce. Donc je fais un CTRL-Z, sur mon DB, je me mets un clic droit et je fais convertir en objet dynamique. Je vais donc pouvoir retrouver mon réglage quand je le souhaite et surtout je vais pouvoir le modifier donc par la suite si je le désire. Donc là, je vais pouvoir me rendre dans Filtre, Divers et sélectionner Passe haut. Là, j'applique ma passe haut à 30 pixels, donc comme on a vu tout à l'heure, j'applique avec OK et voilà. J'ai ma passe haut qui vient de s'attribuer sur mon filtre dynamique. Je vais pouvoir le décocher comme ceci pour voir l'effet. Voilà. Donc là, ma passe haut est valide. Là, elle n'est plus valide. Pareil, si j'ai plusieurs filtres dynamiques, vous pouvez les décocher tous d'un coup en cliquant sur l'œil juste ici. Et voilà. Donc voilà, j'ai ma passe haut qui est mise en place. Je vais pouvoir maintenant changer son mode de fusion pour changer donc son incidence sur ma photo juste en dessous, l'arrière-plan. Je viens ici cliquer sur normal et je sélectionne dans un premier temps lumière vive. Donc voilà, mon effet est très très important, voire un petit peu dégueulasse. On va venir donc changer tout ça. Donc je vais pouvoir maintenant essayer de travailler sur mon effet et peut-être l'atténuer. Donc ici, vous ajoutez un masque et voilà. Donc là, il est rempli totalement en blanc. Je vais me rendre dans édition, remplir majuscule F5. Je vais venir sélectionner du noir comme ceci. OK. Donc là, le noir fait disparaître totalement mon calque. Je vais pouvoir le faire réapparaître comme je désire avec le pinceau. Donc je sélectionne rapidement le pinceau, raccourci B sur clavier, je revois la taille de mon diamètre juste ici, ou alors Alt et clic droit sur la souris comme ceci. Je peux revoir donc l'opacité, je vais rester sur une valeur allée à 60% et le flux je vais me mettre à 40%. Et voilà, je vais pouvoir donc peindre rapidement sur mon personnage comme ceci pour faire réapparaître mon effet. Donc si vous avez, bien entendu, vous faites ça au stylet. Là, je vous montre ça à la souris, je me mets à votre place. Il y a moyen d'obtenir un bon effet comme ceci. On réduit avec Alt et clic droit de la souris, comme ceci. Et on essaye de repasser donc sur la peau. On veut mettre en avant seulement notre modèle photo. Bon, bien entendu, on peut peut-être essayer une sélection rapide, comme ceci. Je fais un clic sur l'arrière-plan. Voilà.
Et voilà, ma sélection est prête, je vais pouvoir me remettre avec le pinceau que je viens chercher ici dans la barre d'outils ou alors raccourci B sur clavier. Je vais revoir la taille comme ceci. Donc là on voit bien, j'ai sélectionné l'arrière-plan. Il me reste plus donc qu'à inverser ma sélection pour justement me focaliser sur mon modèle. Donc je viens dans l'onglet sélection et je clique sur intervertir ou majuscule CTRL-I pour ceux qui savent. Je vais pouvoir donc repeindre comme ceci en blanc sur mon personnage. Et au moins je suis sûr que j'affecte pas l'arrière-plan. Donc voilà, la photo est un peu balèze, donc c'est pour ça que ça mouline. Voilà, je remets une petite couche sur les pecs, sur les muscles, sur le torse, sur le visage quand même, parce que bon, c'est là où l'œil se pose, et c'est là où on veut donner donc un maximum d'informations. Et voilà, si je veux maintenant faire disparaître un petit peu mes effets, et atténuer donc sur les bordures, il suffit de me mettre sur le noir. Le blanc fait afficher les informations, le noir fait disparaître. Donc ça se passe juste ici, dans le nuancier, je sélectionne le noir, ou alors raccourci X sur le clavier. Je revois un petit peu la taille, j'agrandis comme ceci pour justement atténuer l'effet en dessous. Voilà, un petit peu sur les contours, on réduit comme ceci. Et puis je pense qu'on va laisser ça comme ça et de toute manière on va pouvoir réduire son impact en réduisant l'opacité. Donc je viens sur opacité, je réduis comme ceci, je reste appuyé. Je pense que sur une valeur à 50% on est plutôt pas mal. Mais je préfère quand même changer et tester autre chose avec un nouveau mode de fusion. Je viens cliquer sur lumière vive et je sélectionne incrustation. Donc on va peut-être augmenter l'opacité pour voir l'impact. Voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal, je trouve. On a un bel effet. Si toutefois vous pensez que votre effet n'est pas assez conséquent, je vous conseille donc de revenir sur lumière vive. Ou alors, si vous appréciez donc l'impact de l'incrustation, vous faites un CTRL-J pour dupliquer votre calque. Et voilà, donc là vous avez multiplié par 2 votre passe haut. Et par exemple sur cette dernière, là, si l'effet est trop important, on peut réduire l'opacité. Voilà, je pense que sur 40%, allez, 30% on est bien. Et voir, on peut même changer aussi son mode de fusion pour avoir quelque chose de plus doux sur lumière tamisée. Et voilà. Là, on peut peut-être revoir un peu l'opacité. Voilà, pour avoir quelque chose de plus fort. À 50%, on peut être pas mal. Il suffit tout simplement de réunir donc nos effets, comme ceci, avec un contrôle. On fait CTRL-G, et voilà, on a un nouveau groupe. On renomme DB pour Dow Jane Byrne. On clique sur Entrée pour valider, et on décoche pour voir l'impact. Plutôt pas mal, hein. Et encore une fois, on peut même baisser donc l'opacité si c'est trop fort. Allez, 80%, on est bien. Et là aussi, par exemple, vous pouvez créer un masque, comme ceci, et peindre, je sais pas, moi, en noir, pour faire disparaître un petit peu à certains endroits. Voilà, raccourci F sur clavier, bam! On a fini. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est pas bien compliqué de créer un rapide dodge and burn dans Photoshop. Bon, j'en ai rajouté un petit peu, mais je pense qu'en 2-3 clics, vous l'avez compris, ça peut être très rapide. Et on va se faire d'ailleurs un petit test, comme je vais vous montrer, sans explication. Vous allez voir, ça peut être très très rapide. Je glisse ma photo dans Photoshop, je fais tout de suite un CTRL-J pour dupliquer mon calque. Je fais un clic droit pour convertir en objet dynamique. Je fais un CTRL-U pour désaturer. OK. Et je me rends dans filtre, divers, passe haut. Je reste sur 30 pixels, ça me convient très bien. Je vais peut-être en revanche changer un petit peu le cadrage rapide, bien fait. Voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider et me mettre sur lumière tamisée. Je crée un masque rapide en cliquant sur Alt. Bam, j'ai mon masque en noir. Je fais réafficher avec le pinceau. Je zoome un peu avec la molette. Je me mets sur le blanc, raccourci X sur le clavier et je peins. Clac, clac. Je revois la taille vite fait. Et voilà, je pense qu'on a fini. Je décoche l'œil pour voir l'effet. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être même le dupliquer. D'abord le renommer. Hop, Dodge and Burn 1. Je fais un CTRL-J. Que je renomme 2. Et je vais baisser son opacité comme ceci. Sur 60%. Bam. Bam, qu'on renomme DB en majuscule. Et voilà, raccourci F sur clavier, c'est amplement suffisant. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce rapide dodge and burn dans Photoshop. C'est avant tout plus un travail de netteté. On vient redonner donc de la définition et on accentue un petit peu les contrastes et les lumières. Mais bon,
Bien entendu, on peut aller encore un petit peu plus loin sur ce Dodge and Burn, mais j'en garde un petit peu sous le coude pour justement vous en donner un peu plus la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous, donc j'espère que vous allez m'exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, vous pouvez bien entendu retrouver plus d'informations donc sur le blog La Retouche Photo et télécharger le guide, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, ciao et bonne retouche.